Oui, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Channel Richesse. Je dis à nous comptons là avec vous pour une nouvelle émission pour nous parler de stock market, de qui j'en marche à payer, fonctionner malgré l'impression qui dégaine le market là. Et nous parler sur les métaux précieux qui possibilité d'investissement qui vient là dans l'île et puis nous prenons faire une petite analyse et technique et je dis à nous gagner Sami Finance avec nous encore pour nous partager une vidéo et ça qu'a fait même. Bon, et on a regardé les situations j'en avais évolué, mais et avant tout on a salué monde qui toujours regarder vidéo nous et puis monde qui a toujours regarder vidéo nous parce que ça fait nous plaisir les monde qui regarder vidéo nous. Bon, là, je dis que jeudi, la séance est plutôt positive parce que et Wall Street code clôturé dans le vert ainsi que les bourses européennes, tout ça, tout clôturé et dans le vert. Ça qui vient, je n'ai pas dit, moi, jeudi, on a fait un gros point sur, et pas seulement métal, et c'est pas seulement métaux précieux, on a fait un point sur ça, les commodities, qui c'est matière première, qui pratiquement à un haut niveau. Par exemple, le blé n'a pas déjà aussi haut. Même le blé n'a pas déjà aussi haut. Et depuis 2009. Donc, tout ça, c'est à cause de crise qui a l'Ukraine. Bon, on regarde des contextes et globalement, je suis avant nous aborder et avant nous aborder ça qui a passé sur le métal précieux. C'est que j'ai déjà dit qu'hier, nous avons fait un gros briefing sur ça qui est passé dans le mois de février. Et bien sur ça qui a passé dans le mois et sur ça qui a passé dans sur ça qui a passé dans le mois de mars. Une bagne qui mettait accent sur hier, c'est probabilité et c'est probabilité pour faire de la moins agressif dans le redressement tôt et dans le mois de mars parce que déjà contexte marché a un petit genre difficile donc fait de pas qu'à prendre responsabilité crash market là et pour les donc ça une fois que et nous pensons que dynamique moins qu'elle n'a pas la supposé moins baissée que j'en ai dans ce mois de février. Et j'en ai appelé là, nous avons un market US qui clôture dans le vert. Et bon, moi, c'est que j'ai un monde qui dit juste retourner dans le niveau support. Et puis, parce que ça qui est bien, c'est que hier, il était tombé. Bon, je dis à répondre. Mais ça qui est très important avec performance et indice World Studio, c'est que UKB support clé. Donc, ça veut dire que risque pour qu'on peut backland est vraiment faible. Donc, c'est un bagage qui est assez intéressant. Et moi, c'est que nous-mêmes qui c'est ces marquettes là. Ils sont éléments qui vraiment vraiment important pour nous parce que si moi si et par exemple ni S&P 500 ni Nasdaq qui est des niveaux support qui vraiment important donc si on tombe en bas niveau support ça risque pour le descendre bas il vraiment et pour habiter pour descendre bas il vraiment élevé par contre le fait que aucun des niveaux support ça indique que si fait de l'embattage augmenter pour l'intérêt donc, il a supposé renverser quelques résistances. C'est pourquoi pas attaquer le nouveau ATH. Dernièrement, il y a un analyste qui est monsieur, c'est cofondateur au fonds d'investissement que les VNX. Monsieur dit que les lapins de performance marché. Et monsieur, il est Tchatenko, nous préciser dans le bon monde. Monsieur dit que les lapins de performance et SP500, il croit que le marché a fait dernier creux dans ce mois de février. Donc, là, on dit que j'ai fait le dernier creux. Donc, il est bien, il dit qu'on s'appelle market has bottoming. C'est comme si, il y a tel point bas. Donc, il y a une belle possibilité pour qu'on reprise. Il fait un vide. Donc, ça, c'est ça que nous pensons. Mais il y a un tout qui t'a souhaité. Et bien, ça, après, fait de la fin d'augmenter tout intérêt dans le mois de mars. Il y a un monde qui est beaucoup plus prudent. Qui dit qu'il y a bien des bonnes évolutions marché à partir de interest hike. Que fait là bien pour le faire dans mois mars là donc c'est ça lié pour indice n'a rappelé indice clôturé dans le vert mais c'est pas de très bon de très grande performance c'est ça que nous babaye statistique mais ça qui est important c'est que yo retourner dans niveau support qui est important donc si vous kembe comme ça yo ka attaquer résistance pourquoi pas retourner vers sommet historique donc c'est ça
globalement liés pour un discours, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Asie. Donc, ou même ça pensé par rapport avec performance indiciaire, je veux dire. Mon cher, et ça dit, et tout à fait d'accord. Et même Jean, et vous parlez à l'autre jour, moi, j'ai attendu, monsieur, sur Yahoo Finance qui a montré l'époque le market. Non, last week, le market là était fini dans le vert pendant deux derniers jours. Donc, monsieur dit, pas gagné l'autre choix parce que le market est way oversold. So, si le way oversold, donc, il y a pas de gain l'autre moyen pour le market n'a pas fini dans le vert. Donc, nous pensons que le bounce dans la pour prendre. Donc, bien que en pile analyse pensée, il y a une compagnie qui a plus de difficultés pour remonter, c'est Nasdaq. Là. Donc, ça cap cause ça c'est menace Fed et interest rate la pas gain en pile l'argent type pour la gain en technologie yo. Donc ça a gain doit venir impacter Nasdaq là, but as far as like et S&P 500 là en pile penser li already bottom et down et moi c'est que il y a un élément qui est vraiment important bon nous pas préciser moi c'est nous pas qui le deuxième tiens là pas parler de comment utiliser. Et parce que c'est bon beau bagage, et c'est ça qui fait que c'est bon beau bagage pour moi, cher, parce que depuis, comme on dit, c'est ça, les matières premières. Et puis, prix matières premières, ils ont augmenté, donc ça pourra avoir un impact sur le produit fini. Par exemple, les nous connaissons produit fini, c'est plein, ou bien un peu l'autre produit tout. Nous connaissons oil, et oil comme si c'est matière première pour un paquet de bagage. Et automatiquement que prix matière première ça a augmenté donc il y a un gros impact sur question inflation. Je tiens à dans tout traverser dans deuxième budget. Ça que vous constatez après nous te rappeler ça c'est que la Russie c'est un gros exportateur de pétrole, ils sont gros exportateurs de blé et la Russie en termes de matière première les bien positionnés sur le marché. Le fait que l'impôt des sanctions et le fait que ont imposé sanctions avec la Russie, donc ça vient créer sous marché une sorte de rationnement. Et que ce soit comme si au niveau de pétrole, que ce soit au niveau de blé, et vient une sorte de rationnement, et vient un rationnement, et vient un retard, et vient un retard, loi économique là, simple, et vient un retard pour augmenter. Donc ça vient faire que, et cours pétrole, pour oil, comme si crude oil, qui c'est et indice comme si ils suivent pétrole aux États-Unis, il dépasse $105. Il n'a jamais fait ça depuis 2014. Et un peu d'expert quoi que il a atteint $128. Donc s'il atteint $128, nous y déjà voyons qui impact ça a gagné sur l'inflation. Et l'autre bagage qui nous a dit dans l'introduction c'est prix. Et blé a pris blé a augmenté et la recherche statistique de mon air pour blé a augmenté plus passé 10%. Donc depuis 2008, prix blé a par exemple augmenté comme ça. Et on a un indicateur qui est vraiment important, par exemple, Bloomberg, comme si les indicateurs qui suivent prix, comme si commodity, le Bloomberg Commodity Spot Index. Qui suit performance et contrat futur 23 et qui suit et performance 23 contrat futur qui lié avec question matière première, je dis à lui augmenter de 4.1%. Depuis mars 2020, il n'est pas jamais monté dans le niveau ça. Donc, ça pour montrer que matière première, il a dégagé en performance à la hausse. Performance à la hausse, en quelque sorte, li positif, mais tout li positif dans le sens que, est-ce que Fed l'an pral nécessairement obligé ou battre tout les dégâts pour le bataillou, ou bien, dénouement guerre là, ta censé mettre en fer avec ça. Parce que, l'on pétrole qui pral monter $128, c'est inflation 7.5 là, les gens doivent même bouger 10 points. Donc, moi, c'est que c'est son contexte vraiment difficile.
et nous t'a souhaité que tension qui gagne en Ukraine résoudre pour matière pour que matière première yo baisser de façon à ce que et inflation pas arriver à atteindre deux chiffres aux États-Unis. Puis tout on a regardé mais notre bagage l'autre moment nous devons faire généralement mais tout pour dire par exemple là j'ai toujours été dans augmenter dans contexte ça. Par contre ça nous remarque c'est que capital plus dirigé vers crypto-monnaie qui est dirigé vers gold. En principe, en situation d'inflation et puis tension et tension diplomatique, ça pour toujours une bonne valeur refuge, mais malheureusement nous marquons contrat futur crypto plus augmenté que contrat futur qui est lié avec et gold. Et quand tout le monde qui dit les abgas des comportements contrat futur marché crypto a l'issemblé avec et mouvement qu'a fait sous contrat futur crypto a l'issemblé avec ça qui fait dans mois octobre fin octobre 2000 et dans commencement octobre 2021 qui t'a pris une by ATH $69,000 avec Bitcoin. Donc et n'a regardé hier nous t'a dit ça crypto était bien performé et je dis encore puis qu'il y a même performance là je dis à Bitcoin arrivé 45,000 hier il était fait plus que 15% je dis à fait 6% dans pratiquement deux jours Bitcoin a fait 21% de son performance qui est assez extraordinaire et il y a plein de monde qui croit que 33,000 c'était plus bas prix que Bitcoin était atteint. Exactement. Nous fait tout aller mener fini ça c'est pour mon yo comprendre question inflation matière première et puis qui valeur refuge yo ka prend par rapport avec ça qui a passé même soit parti dans contexte ça mon cher et pense et façon que et market là comporte le combien c'est un message directement à voir by Fed là et au cas monter intérêt but you should do it in a way that ou pas pour affecter market là. Il m'a comme se rappeler de ça les bullers t'ai parlé et toi tu as jamais exactement ça cash market là. Le cash market là same way. Et donc c'est et là ouais un peu nous approcher à fin et retirer l'argent dans stock là à mettre dans commodities yo donc ça c'est un signe qui pour dire hey I'm protecting my money I'm not gonna let you do donc qui te fait ça avec et avec plus d'intérêt ou pas le mettre donc c'est mon yo c'est refuge y a chercher ça qui bon pour market là tout ça veut dire tout mon yo. C'est pas parce que Paris comme dans le market, là, non, c'est ça pour montrer qui j'en économie en lié en santé et tout, oui. Donc, et là, parce que nous n'avons rien comme, c'est parce que les papes d'accord comme lié en descend, donc c'est étirer comme dans une série de sécurité, et elle mette dans sécurité qui puisse safe en attendant que l'inflation est en contrôle. Donc, donc, vous pensez que mon nuage cherche un flight de quality, va ça? Yes, exactement. Donc, moi, c'est exactement ça. C'est que, pas oublier, investisseur, c'est pas mon. C'est pas comme si on a la coin action, on a la juste coin, non actif, qui permet de complètement monter. Donc, si c'est matière première, la matière première, si c'est action, l'action. À ce que ça capte l'argent, le virer là-dedans. Donc, c'est comme ça, comportement investissement. Bon, et tout à l'heure, la pendant sur la plante, moi, je n'ai pas dit pour mon gars, mais manger le bœuf, et je dis que le bœuf là, quand je m'en ai venu là. Donc, ça, il me fait que. Et moi, je suppose, bon, moi, c'est. Je n'ai pas fait plus de bœuf à augmenter les bim. Moi, c'est ça lié avec question primatière pour mieux augmenter tout. Donc, c'est ça qui fait que, bon, je dis, puis le bœuf, et quand augmenté, pendant ma défilé un petit là devant là. Bon, moi c'est nous parler de commodities, moi c'est le voile tomber directement à liste technique 3 stock Apple. N'a pas que tout le monde je dis Apple dit les suspend activité le vente li en Russie pour porter support avec sa cap passé et pour porter support avec ukrainien exactement donc les camper et tout vote qui était gagné en Ukraine. Notre information qui est importante aujourd'hui, et service aérien américain doit déconnecter, service aérien russe, déjà, dans le pays en Europe qui prend section ça, il a déconnecté toutes les lignes aériennes et russes de l'aéroport. Donc, c'est sanction vraiment intensifiée sur la Russie, et moi, c'est que
et la Russie et non, la Russie c'est li vraiment dans un contexte difficile parce que et sanctions économiques vraiment sévères, mais est-ce que ça fait la Russie craquer? De toute façon, c'est l'avenir qui a dit nous tout ça qui a passé. En tant que directement l'analyse technique et ma bombe ça évolue. On a regardé Apple, on a regardé Amazon et puis après ça on a regardé Salesforce. Trois actions qui sont assez importantes. On a regardé Salesforce publier rapport les jeudi et rapport était plus ou moins bon. Et on a regardé comment Salesforce a performé, Apple et Amazon, qui niveau support, qui niveau essence qui est important pour nous de suivre la trois actions. Donc, moi, j'ai un Apple devant là. Actuellement, là, bon, tout. Et ils font parler de, bon, tout parler de Apple. Et tout le monde connaît ça, qui est Apple là. Donc, moi, parce que j'ai détruit mon. Nan earning ke yo te gen, donc kounya et actuellement nous Apple donc li te nan yon niveau support à $163 donc nous pense que comme yon normal et price action donc nous pense que Apple li ken doit revisiter and di zone et 159 yo. Donc vraiment support que le gagnant li chita sous $154 et puis li gagnant pile résistance pour le goumen et comme nous ka wè la goumen nan zone 166 yo et lèl rive nan zone 168 li gagnant pile goumen pour le faire et puis l'autre et résistance li pas gagner encore dans zone 176 yo et avant l'attaquer all time high à moins que nous ta gagnons un bon catalyseur donc la goumen en pile pour li river là donc mais ça nous ka dit nous voit que li gagnon bon support dans zone $154 et si m'ta dit côté qui safe net moi-même par exemple en tant que yon investisseur si m'ta ouais pour arriver dans $138 donc ça c'est acheter et si n'a regardé si nous ta metté et quelques et la indicateur et ensemble avec yo nous gain nous ouais que dans RSI dans daily hein nous ouais RSI la li below 50 like li nan zone et 41 yo ça veut dire yo montre que Apple li tap vann et en pile li commence reprendre ni donc nan parabolic SR li gen yon tendance que la descend toujours but et ça n'ap gade tout n'ap gade TTM squeeze lan commence et li bay tendance que li gen droit descend toujours et mais cependant ça qui bon c'est que le fait que li te getan un niveau en bas déjà li te nan zone 35 yo pour un gros compagnie comme ça et li gen droit vin monter donc faut que nous mettez en contexte guerre là qui gagne tout c'est que yon nouvel konsak soti sou le fait que suspend et produit yo a oui si ça va faire investisseur content donc et pas étonné sou wè et li wè testé sans zone 150 combien demain si Dieu veut ou bien la semaine là quand même yeah moi c'est ça et c'est bah et pour Amazon. OK, pour Amazon et c'est presque yon stock même genre avec et Google. Et m'a parlé d'indicateurs avant, li gen yon tendance à la baisse et si nous prend et si n'a regardé parabolique SR là. Donc relative strength index là, li nan zone 46 et qui gen tendance descend toujours. Et but si nous apprend si n'a cherché support pour Amazon et n'a dit ouh wow les grands un gros maman support descend là ça son stock
et son sac qui strong en pile. Li gon gwo maman support ki ap chita atann ni nan zone 27 28 10 yo actuellement nan 23022 et li gon gwo tonton support nan zone et jan di an 28 10 et 29 yo et ndi 29 28 83 yo donc li gon gwo tonton support la donc s'il ta perdi support sa nou met pense et Amazon nous gen doit venir joindre ni dans zone et 20 22 à l'aise parce que généralement et les regarder price action là ou doit toujours garder bon gauche donc sou garder j'en ai toujours parlé de kay qui price action là li tout c'est tant pour yon kay wa bati qui poteau gain pour et pour supporter donc pendant ce temps la montée là s'il perd du et support ça qu'il gagne là nous mettre connait nous pas jeune dans zone et 22 on dit par exemple ta gagnon war qui déclaré donc la passer Amazon et pas étonnant qu'arrive dans 1900 combien dollars bon ta dans cas si ta gagnon guerre qui déclaré donc vraiment vraiment côté me penser si si ta gon guerre nous ka joindre Amazon c'est dans zone 1300 combien de dollars but mais sinon li juste besoin kembe support quel gagne et quel gagne kounya ki na 28 combien yo et puis tout li pour joindre quelque petit filarito dans zone 32000 yo 32000 et 3700 I mean 3278 yo et puis et la les lignes à 3500 la fond goumen encore et pour t'arriver dans all time high là la li pour la goumen en pile but c'est un stock et qui j'en ai toujours quoi nous parler de lui que li puis il est sur Amazon il montre que son stock qui pas cher et même les faut que nous disons même les nouveaux stock là 3000 combien de dollars là c'est ça pas déterminer que son stock qui cher parce que pour qualité business qu'elle gagne analyse fondamentale yo et montrer que Amazon c'est un son stock pour monde qui acheter parce que il a monté plus toujours donc et kounya la si nous dit et Noël de dans 3000 all time high c'est 3761 donc kounya li non prix et dans 3000 c'est li nous dit mettre li chip toujours but si on mon a pas acheté j'en ai encourage tant ni retester zone 2000 yo ou gen doit acheter en pile s'il vient retester 2286 yo gen doit acheter encore donc et il vient monter dans 2 ans 3 ans ou gagne yon bon et yon I mean yon stock qui que acheter à un bon prix donc n'a pas le passé avec Cellforce. Cellforce c'est un bon compagnie tout et ou dit jeudi à yo ba rapport là. OK, bon regarder real quick et ça rapport à bail. Yeah, we you decide Cellforce report better than expected earning. Yeah, merci ça. OK, actuellement nous voit que l'ichita li $208.89 et puis li gon bon support dans zone en dix zone 200 combien dollars yo vraiment support zone 190 dollars yo nous ouais Jean li et après li te testé zone 190 yo Jean yo monté y acheté agressivement ça veut dire grand pile buyer dans zone ça qui c'est en bon zone de support et puis l'autre côté et li gain pour l'algoumé encore c'est il va gourmer en pile dans zone 230 combien pour le battre et puis s'il t'arrive battre zone 236 yo il va gourmer en pile pile en pile dans zone 267 yo et 267 280 pour t'arriver all time high là but you never know gain droit nous gain higher highs higher lows
et puis il était dans le dessin d'une channel là, donc il est obligé pas et résistance ça il pas gain depuis dans zone 214 il pas commencer battre et il pas commencer goumer. Donc passer dans semaine ça et Cellforce il doit faire un bon monté, mais cependant et il faut que nous warn moun yo que le fait que compagnie gagne un bon earning ça pas un indicateur à cause fragilité que market la gagne, il pas indicateur que market la pral bien performer. Donc faut on moun si on dit si on moun a fait et swing trade faut qu'on prend pile précaution dans moment ça parce que market là vraiment pas comporté de façon que on moun t'a pas attendre. Donc mais si on investi dans long terme et c'est un stock ou gain de droit et toujours mettre dans portfolio. Yeah. Bon, moi c'est que ou bay moun yo trois bons éléments d'analyse technique. Bon, je dis à nous nous pratiquement couvrons un paquet de bons sujets. Nous couvrons indices, nous couvrons ça qui a passé sur moi chez matière première et puis nous couvrons trois actions. Donc et moi c'est que bay moun yo vraiment point support avec point résistance pour Apple, Amazon avec Cellforce. Moi c'est demain à présenter trois autres actions pour mon yoé comme si qui point de rentrer avec qui point de sortir qui gagne la différence actions. Donc c'est un plaisir pour me la séance ensemble avec vous et moi c'est demain à frapper pire début n'a continuer par mon yoé bon j'ai information pour prendre pour décision sur mon chef financier et ciao à la prochaine pas oublier subscribe.